Alors, c'est très intéressant. Je vais, voilà. Donc, on n'est pas habitué de conduire avec ce genre de volant. Ça s'appelle yoke. Donc, le volant yoke, il n'est pas du tout comme les volants dont on nous sommes habitués. Parce que il manque quelque chose. C'est-à-dire, il manque le chose dont on est habitué à tenir. Donc, il faut faire avec ça. En plus, il n'existe pas de clignotant. Donc, il faut faire avec les deux boutons tactiles d'ici. Et probablement, vous vous demandez comment faire avec ce genre de volant. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo. Il faut plutôt tenir le volant comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Comme ça, oui, vous pouvez le tenir, mais je trouve que c'est plus compliqué de conduire en tenant le volant comme ça. Parce qu'imaginez-vous, vous deviez faire un rond-point. Ça, c'est un peu difficile de tourner le volant comme ça et de mettre les clignotants. Now turn left onto Kwilsenjaal. Donc, allons nous promener à Rotterdam, aux Pays-Bas. Si jamais les feux seront verts. Vous voyez, il y a un petit signal sonore. Lorsque les feux sont verts, bon, maintenant ils sont rouges. Lorsque les feux sont verts, il y a un signal sonore. Now turn right at the Wilhelm Inner Cave. Now your destination is on the left. Thank you.